Avant de commencer l'intro de cette vidéo, j'organise un petit concours pour vous faire gagner un t-shirt Camoff ainsi qu'une casquette. Si vous voulez participer au concours, c'est simple. Il vous suffit de partager cette vidéo, de mettre un j'aime et de nous rejoindre sur notre compte Instagram en vous abonnant. Alors vous allez me dire, oui, mais comment tu peux savoir si on a aimé partager la vidéo sur YouTube? C'est impossible. Alors je vais vous répondre tout de suite. Tous ceux qui veulent participer au concours, vous faites une capture d'écran du j'aime que vous avez mis sur notre vidéo, du partage que vous avez effectué de notre vidéo, ainsi que de l'abonnement à Instagram. Vous nous l'envoyez par mail à l'adresse qui s'affiche en dessous, je l'ai créé spécialement pour le concours. Donc tous ceux qui veulent participer, c'est gratuit et vous gagnerez un t-shirt avec une casquette Camoff offert par mes soins. On peut passer à l'intro de la vidéo. Ciao. Hey, 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 hey. Et salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Moi, en attendant, je suis malade. J'ai toujours cette allergie à la con. Là, maintenant, j'ai mal à la gorge. Youpi, c'est cool, ouais. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir apercevoir un homme empoisonner le chien de son propre voisin. Le propriétaire du chien nous a envoyé un message sur Facebook en soupçonnant et en nous disant que son voisin pourrait peut-être empoisonner le chien d'une façon très malsaine. La personne malsaine disait que le chien du voisin aboyait trop et que c'est pour ça qu'il avait agi ainsi. Nous nous sommes donc rendus sur les lieux et chez la personne qui nous a contacté pour placer des caméras surveillance et prendre en flagrant délit la personne qui essaye d'empoisonner son chien de 2 ans. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a des personnes vraiment malhonnêtes sur Terre et on se retrouve comme d'habitude à la fin de cette vidéo pour une petite conclusion. Ciao! Salut Internet, c'est Camoff. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon poteau Soso que vous voyez dans toutes mes vidéos parce que maintenant, ils seront dans toutes les vidéos, je vous l'ai déjà dit. Son Snap, il s'affiche juste en bas, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat. Bâtard, c'est pareil, comme vous le savez, son Snap, il s'affiche toujours sur sa figure. Pourquoi? Parce que c'est un bâtard et tout le monde le sait. Alors, explique-nous un peu la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois de la nourriture pour le chien, avec des vis et des clous. Dans la nourriture? Dans la nourriture. Et c'est quoi comme nourriture? Des saucisses, de la pâté. Est-ce que toi, tu sais pourquoi le voisin ferait ça? Si c'est vraiment lui, pourquoi il ferait ça? Parce que le chien n'a pas trop et voilà. C'est... Donc là, il n'y a pas de voisin, c'est ça? Là, ici, il n'y a pas de voisin, le seul voisin. Ni derrière, ni là. Ni là. Donc ça veut dire qu'il n'y a que lui qui serait susceptible. D'accord. Ça, est-ce que c'est à cause de ça, tu as déjà amené le chien au véto? Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça? Oui, une fois ou deux, mais non, deux fois. Parce qu'en fait, quand il allait manger les vis, c'est ouvert la bouche. D'accord. Et toi, au début, tu savais pas ce que c'était? Je savais pas ce que c'était. D'accord. Et le véto, il n'était pas passé ou j'en sais rien. Mais... D'accord. Et au, au final, bien des vis. D'accord. Ça veut dire que maintenant, avec, le, avec ce que tu as vu, toi, tu as fait le rapprochement. Et il a compris qu'en fait, c'est parce qu'il bouffait ça. C'est ça. Ok. Bon, alors, nous, ce qu'on va faire, les gars, je sais pas si vous êtes disponibles longtemps. Je sais pas. Vous êtes dispo, vous avez rien à faire. Demain non plus, pareil. Si aujourd'hui, on pose la caméra qui fait rien, c'est un peu con qu'on parte et que demain, il fasse quelque chose. On va poser une caméra à l'entrée, d'accord? Parce qu'il jette devant la maison, je suppose. C'est ça. Okay. On va relier la caméra avec le téléphone pour voir en direct ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose, on vient et on l'attrape. Fais très attention par rapport au chien. Il y a encore un truc qui ne bouffe rien, le chien. D'accord. Mais en plus, c'est un beau chien, il a l'air sympa, il est gentil. Ouais, je vois un peu. Ah ouais, c'est très cher. Ça se voit que vous en prenez soin parce qu'elle a les dents. Mais elles sont vraiment très blanches. Elle est dans plus blanche que moi la chaîne. C'est un truc de fou. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je tiens vraiment, comme d'habitude, à faire de la publicité pour mon ami Une Vie et Trillionnaire Prono. Alors Une Vie, il fait des vidéos, bien entendu, sur Fortnite. Il est sur YouTube et sur Twitch. Et en plus de ça, il fait gagner des V-Bucks. N'hésitez pas à le rejoindre sur Twitch et pour le soutenir, à rajouter le code créateur qui s'affiche aussi juste à côté. Pour tous ceux qui aiment le foot et tous ceux qui aiment l'argent, je vous conseille de rajouter mon ami Trillionnaire Prono sur Instagram, il s'affiche juste ici aussi. Que si c'était vraiment quelque chose de pas fiable, je dirais pas à mes abonnés, je prendrais pas le risque de vous dire d'aller le rejoindre. Donc n'hésitez pas à rejoindre Trillionnaire Prono. On va faire une vidéo lourde dans pas longtemps avec lui. J'ai gagné pas mal d'argent avec lui et vous savez, voilà, vous savez tout. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Merci. Thank you.
fait, les amis, on vient de voir à la caméra, mais on a de la chance. Parce que c'est plus Paul aujourd'hui, on n'a pas besoin de rester des jours. On vient de voir que le mec, il a jeté un truc. Les gars, cherchez un peu à droite, à gauche. Moi, je regarde vers ici. D'accord ? Si vous trouvez un truc, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu à la caméra. C'est quoi ? Du pain au chocolat ? Et il y a quoi dedans ? Regardez, regardez. Si le chien mange ça, regardez. Un vis. Deux vis. Trois vis. Donc à tous les gens qui ont des chiens, ne donnez pas de chocolat, ça les rend aveugles et ça peut les tuer, d'accord ? Et le sucre aussi. Il est parti sur la caméra, on l'a vu, il était dehors. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, venez, on va dehors. S'il est, on va voir dehors, s'il n'est pas dehors, on va le chercher. On y va vite, si le mec est taille, on va le chercher. Là, les amis, on est parti en voiture avec le propriétaire, c'est sa voiture. Du coup, le mec, il est parti à pied, donc on ne sait pas où il est. Il n'a pas pu aller bien loin à pied, à part s'il s'est garé en voiture, qu'il est parti en voiture. Et tiens, de là, après, juste en bas, tu as les commerces. Arrête de filmer, frangin. Dès qu'on le voit, si on le voit, ben d'entrée, tu relumes la caméra, tu cherches pas pourquoi. Ok, ça va. C'est lui. N'arrive pas trop fort, fort. Garde-toi sur le vidéo, on intercepte. Pas plus, plus. Avance, garde-toi bien au fond. S'il nous a pas vu, avance. Garde-toi là. Oh, c'est lui. C'est lui sûr. C'est lui sûr. Eh, bonjour, c'est le couillon de tous les jours. Bonjour. Non, ben on voulait vous demander, vous le connaissez ce monsieur? Oui, oui, c'est vrai, oui, bonjour. Vous êtes voisin? Venez, voilà, venez, on va pas parler au milieu des gens, venez. La caméra? Non, si, on va déjà, on va te filmer, tu n'as pas d'ordre à me donner, ni à moi, ni à qui que ce soit. Et ça, c'est quoi? Parce que moi, les gens qui font du mal aux animaux, je... Ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tu vas me le dire? C'est quoi? Ça, c'est des clous rouillés? Ouais, ça, c'est un bout de au chocolat. C'est quoi, en fait? Non, mais toi et moi, déjà, on s'entend pas. C'est quoi, c'est ça? Tu as fait un coup monté, en fait, avec eux, c'est ça? On t'a vu. Ça, parce qu'on a des problèmes de voisinage, toi et moi, tu fais des trucs comme ça. Tu veux partir? Ouais, je veux partir. Casse-toi. Allez. On a les vidéos, les amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça sur internet. On va mettre ça sur internet. Mon pote, tu veux partir? Moi, je retiens personne. C'est pas toi qui as fait ça. Porte plainte. Parce que nous, après, on ira porter plainte. C'est la cruauté animalière ce que tu es en train de faire. Il a posé une caméra chez votre voisin. Déjà, c'est interdit. Tutoie-le. Qu'est-ce que tu fais? Quelle forme de respect tu as à avoir? Tu es le voisin de monsieur. Il n'y a pas de problème. Nous, on met la caméra, la vidéo là, on la poste sur internet. On dit que tu es un sale bâtard. Et on fait faire une pétition. Il n'y a pas de problème. Non, moi, je vais vous dire un truc. Clairement, voilà. Moi, j'ai la petite. Voilà, elle a 2 ans et demi. Ouais, je la connais. Votre chien, clairement, il me casse. C'est en train de gâcher ma vie. Moi, je m'en vais avec ma femme tout le temps. Pourquoi? Parce que votre chien, il la boit. Ma petite, elle dort pas. La solution, c'est quoi? C'est qu'il ferme sa gueule. Mais il y a d'autres solutions pour ça. Déjà, m'en parler. J'aurais essayé de trouver une petite solution. Qu'est-ce qui vous donne le droit de mettre des boulons, des vis, des clous dans la nourriture pour mon chien? C'est pas parce que le chien il la boit que tu dois le tuer, c'est un chien. Après, il faut bien qu'il y ait une solution radicale. Vous voyez, mais après, si vous avez un problème, ça fait pas d'aujourd'hui. Moi, il n'y a pas de problème. Hein, non, ça fait 3 mois, monsieur, même 4. Non, tu veux que je fasse quoi? Je vous fais le chien en pâté. Tu veux que je donne ça à un fils de 2 ans? Tu veux que je donne ça à ta fille? Tu veux que je te le donne? Tu vas rien donner du tout. Tu commences à réfléchir à ma fille. Moi, ça me dérange. Ça dérange toute ma famille. C'est ta gueule qui me dérange. Ouais, vraiment, tu vois. C'était propos de ta gueule. Moi je veux enfoncer, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'on me fait? Oh, tu es la SPA, tu es qui? Tu es la police? Qu'est-ce que tu fais avec ton service? Moi je suis un homme qui porte mes couilles. Maintenant, si tu as un problème, tu peux. De quoi? Je le fou là, reste tout seul, frère. Je te prends, ta mère même. Mes frères. Même sans eux, je te prends. Viens se voir, oui, notre jour où tu. C'est pas moi qui ai de la chance qui sont là, c'est toi qui as la chance qui sont là, parce que je t'aurais dit. C'est toi qui as de la chance. Je te jure, c'est toi qui as de la chance qui sont là, parce que je t'aurais dit ta mère, je te jure. Fils de. Sur ma mère, ça me dégoûte ça. Moi je te le dis, frère. Hein. Maintenant écoute bien, c'est soit je te prends, je te dans ton niveau maintenant, soit frère, on trouve une solution. C'est pas la solution, je vais un jour venir chez lui, moi aussi. Je vais empoisonner sa fille. C'est bon. Si vous voulez faire ça, mettez la caméra, vous allez régler. Fais une demi-heure qu'on discute, c'est bon. Tu vois, la vidéo elle va pas durer une heure. Moi j'ai pas que ça à faire. On a les preuves. Non, mais même pas déposer plainte parce que malheureusement, les trucs comme ça. Ça met 100 ans avant d'aboutir. Il y a plus de 400 000 personnes qui nous suivent. Si tu veux voir débarquer 200 000 ou 10 000 personnes devant chez toi, je vais te faire comprendre ce que tu fais au chien, je vais te le faire à toi. Il y a 2 solutions. Soit ils portent plainte et on voit ta gueule sur internet et je te fais déménager dans 2 jours. Soit, 3e solution, tu bouffes ce que je te dis et il n'y a pas ta gueule sur internet. Et après, tu t'arranges avec lui s'il va aller porter plainte ou pas. Mais moi, si je porte plainte, je porterai plainte aussi. Voilà, allez, si tu veux. Allez, tu as faim? J'espère que tu as faim, parce que j'ai de la pâté qui t'attend. Allez. Je vais pas parler avec lui, les gars. Ah, faites avec lui, je vais frapper. Je te jure, je vais le frapper, frère. Je vais taper, non, j'y vais moi, je suis la pâté. Je vais le frapper. Je vais le frapper.
amis, là, bien sûr, j'avais prévu le coup, parce que je savais qu'on allait attraper un jour ou l'autre. Donc, sur moi, j'ai de la pâté pour chien, comme j'ai dit, on s'est mis à l'écart parce que je vais faire une petite surprise. Voilà, de la bonne petite pâté, hein. Voilà, on l'ouvre devant vous, hein. Vous pouvez pas dire que c'est pas de la pâté. Moi, je trouve que c'est un peu trop facile de lui faire manger juste de la pâté. On a pris du piment, mais alors c'est du piment très fort, hein. Vraiment, c'est, celui-là, c'est... Rien que l'odeur, elle t'arrache le nez, frère, je l'ai pas touché encore. Donc, quand on va lui faire manger ça, il saura pas qu'il y a du piment. Mais quand il va le manger, il va bien le sentir, je vous le garantis. On en met un petit peu. De toute façon, ça pique, hein. Ça pique à fond. Alors après, frère... Ah, il mérite, frère, c'est ma mère, c'est ça, je le ferai. Ah bon, je m'en remets un peu. Piment et tabasco, les gars, il y a de tout là. Et, là oh, stop, stop. Et maintenant, on va lui ramener ça et on va lui faire bouffer. Avec ça, bien entendu, j'ai pris une bouteille d'eau. Ça amplifie, mais x10, le piment en fait. Et du lait, parce que ça va être drôle de le voir boire du lait. Comme ça, ce soir, il a une bonne cagagne. Là, on lui a fait la petite préparation. Mais on va le boire direct. Allez, c'est parti. Voilà, poteau. Ah, tu as raison. Tiens. Bon appétit. On t'a pris avec ça du lait, une bouteille d'eau. On est gentil, c'est pour te rincer la bouche. Allez, bon appétit. Mon ami, je vais pas manger devant vous, hein. Ça pue. Hein. Ça sent le chien, non? Bah, par contre, voilà, on a pas toute la soirée, mange, gros, qu'on se casse. Et... Je peux pas. Sérieusement, je peux pas. Je veux pas qu'il aille porter plainte contre toi, au contraire, parle. Un conseil, parle-lui autrement. Ouais, vas-y, c'est quoi? Encore une cul, ouais. Encore. Non, non, t'as mal. Donne-moi de l'eau. Mange. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la passe. Il y a un truc. Mais mange, tu craches ton poison. Tu as mis du poison dedans. J'ai mis de la vue. Mange. Avale, tu marches. Mâche. Donne-moi ça. D'accord? Donne-moi. Donne-lui du lait. Du piment. Putain, ça. Vas-y, je me casse, c'est quoi toi? Toi, on parlera plus tard, d'accord? Oh, on va régler les codes, pas de problème. Vas-y. Non, il y a un conseil, vas-y. Je vais mettre la vidéo, mais il y aura pas, tu seras fouté. Si on retrouve encore des trucs dans son jardin, il y a pas de YouTube, pas YouTube, machin. Je viens chez toi avec ça comme des hommes, d'accord? Et c'est moi, je te mets des clous. C'est moi, je te les fais avaler un par un, d'accord? On a rigolé, on a fait les. C'est bon, allez, c'est bon. S'il te plaît, rentre chez toi, mon frère. Allez, vas-y, tranquille. C'est vas-y, tu montes pas d'autre déjà. Demande gentiment, allez, barre-toi. Ah, vas-y, rentre chez toi. Je t'ai dit, tu vas être la vidéo éveillée, tu seras fouté. Maintenant, s'il te plaît, rentre chez toi. Allez. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu l'apercevoir, on a réussi à prendre en flag la personne qui a empoisonné le chien du voisin et nous l'avons puni à notre façon. Et j'espère qu'il ne recommencera plus. Dans tous les cas, la personne a nos coordonnées et s'il y a quoi que ce soit, nous rappelle et là on agira autrement et hors caméra. Alors pour nous rejoindre sur Snapchat, sur Instagram, comme vous le savez, c'est affiché en dessous tout le long de la vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon poteau SosoBDM ainsi que Bâtard. C'est des gens qui sont là avec moi et sans eux, je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire actuellement dans les vidéos et pour vous. Donc rajoutez-les, c'est important. Et si vous voulez porter notre marque hors concours, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.futuratech.com. Il y a des casquettes, des shorts, des pulls, des bonnets, il y a vraiment de tout, des t-shirts pour femmes, enfants. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à tous ceux qui ont des chiens, faites attention au voisinage car il y a vraiment des personnes sans cœur qui sont prêtes à tuer votre chien ou votre animal de compagnie simplement parce qu'il la voit. Donc faites attention, regardez régulièrement dans votre jardin pour voir s'il n'y a pas quelque chose de suspect. Voilà les amis, donc il est l'heure de vous laisser. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça sera un nouveau concept et j'espère qu'il vous plaira. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vos animaux et on se dit à la semaine prochaine, 18h comme d'habitude. Ciao, ciao.